L'hôte du jour, bonjour, et après Joël, on continue avec les statues de Last of Us, avec cette fois-ci, Abby. Donc, exactement pareil que pour Joël, on a exactement la même boîte, c'est juste que cette fois-ci, c'est Abby figure au lieu de Joël. Sur les côtés, toujours la même chose. Sur le dessus, le titre. Et à l'arrière, la figurine de Abby, mais j'ai l'impression qu'ils ont plutôt pris le visuel de la version résine. Parce qu'on va comparer ça de suite avec le rendu, c'est pas forcément ça. Alors, cette fois-ci de nouveau, The Last of Us partie 2. Le socle un peu différent, chez Joël c'était ambiance salle des fêtes avec les lattes en bois. Là, ça fait vraiment ambiance combat, donc avec des traces de cendres, des traces de pas dans les cendres, des bouts de bois brûlés. Donc, qui sont un petit peu rouges à cause des flammes forcément. Et je pense que c'est peut-être tiré d'une des scènes où on combat peut-être Ellie, je sais pas forcément. Mais si vous l'avez pas fait, désolé du spoil. Mais oui, c'est totalement possible, effectivement. Bon après, globalement, on la reconnaît avec sa petite natte, son visage. Ses biceps, son pistolet dans la main, un marteau de l'autre. Ouais, globalement, alors là, on a les mains un petit peu sales, effectivement, parce qu'elle se salit les mains. Mais ouais, globalement, on la reconnaît, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est comme Joël, et voire même peut-être un peu mieux, parce que c'est vrai que Joël, au niveau des yeux, il n'y a pas de blanc dans les yeux. Alors que là, effectivement, il y a du blanc, même si forcément la version résine est toujours un petit peu mieux. Celle-ci, 50€, la version résine 200. Personnellement, je l'avais commandé chez Derry Figurine, comme d'habitude. Et ouais, plutôt sympa quand même. Après, globalement, on la reconnaît, donc c'est l'essentiel. Au niveau de la peinture, il n'y a pas de bavure ou quoi que ce soit. Plutôt sympathique pour le prix, ça fait largement le taf. C'est du PVC forcément, donc d'où le prix plus bas, mais ouais, globalement plutôt satisfait de cette figurine d'Abby qui est plutôt sympa et qui rejoint la collection. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter où je balance toutes les informations, Twitch où je fais des lives sur les jeux, YouTube où il y a les unboxings en version longue, en version courte et les lives qui sont également sur Twitch. Sur TikTok où il y a également les unboxings en version courte. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être l'objet présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des objets qui vous tentent que vous aimeriez voir en vidéo. Si je les ai dans la collection, c'est avec plaisir que j'en ferai une vidéo. Et n'oubliez pas, si une édition collector vous tente, premier réflexe, collecte.